Coucou, 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 les petits copains, les petites copines, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo confinement. Et oui, vous savez, les petits copains, les copines, en ce moment, c'est un petit peu difficile, on est confinés. Oui, qu'est-ce que... Oh, regardez Ellie, n'importe quoi. Elle vous annonce déjà le sujet de cette vidéo. Nous allons faire un 3,5 marqueur challenge. Compliqué, hein. Alors, je vous explique vite fait le concept. Nous allons devoir... Oui, ma puce. Alors, en fait... On met le masque comme ça et on pioche au hasard. Exactement, ça c'est le concept de base. Donc on va piocher chacun notre tour un marqueur. On en prend 3 et après on peut en prendre 4. Exactement. Alors, ça c'est la nouveauté. Ça c'est la vraie nouveauté de ce challenge. Je vous explique donc. On va piocher à l'aveugle chacun notre tour un marqueur 3 fois de suite. Donc en fait on aura 3 marqueurs avec 3 couleurs. Qui seront tirés au hasard. Et on aura le droit ensuite de tirer un quatrième marqueur. Okay. Mais cette fois, on choisit. On va essayer de dessiner un logo pour notre chaîne YouTube, pour Ellie's Magic World. Et moi, ou une illustration. Droit, moi, j'ai le droit de faire un dessin. Oui, un dessin par exemple, n'importe quoi. Et à la fin, les petits copains et copines, vous élirez le plus beau dessin ou le plus beau logo qui ressemblera le plus à notre chaîne. Ça te dit, Lana? Ouais. Ouais. Alors Lana, on sait qu'elle a des talents de graphiste. Ellie aussi. Moi, un peu moins. Bon, on lance le générique et on se lance dans ce challenge. Générique! Et nous revoici, les petits copains, les petites copines, Lana et Ellie. Oui, ma puce. Regarde. Oh, tu as une bouteille d'eau. Oui, c'est très important de s'hydrater, les petits copains, les copines. La bouteille d'eau, elle joue aussi. Elle joue aussi, la bouteille d'eau. Bon, les petits copains et copines, on rappelle rapidement les règles de ce challenge. Alors, tout d'abord, on va piocher chacun notre tour 3 marqueurs. Ensuite, une fois qu'on aura nos 3 marqueurs, on va se permettre, on va se le permettre de piocher un marqueur, mais on va le choisir. Ensuite, avec ces 4 marqueurs, nous allons dessiner sur une feuille au format A4 un logo, une illustration qui sera censé rappeler notre chaîne YouTube Ellie's Magic World. Le plus beau logo, la plus belle illustration sera la vainqueur ou le vainqueur. Je vais peut-être gagner, on sait jamais. Peut-être. Ah, je suis pas très fort, mais bon. Deux filles et ben oui. Un garçon. Donc vous gagnez. Donc je te donne des feuilles. Je te donne j'ai tes feuilles. J'ai deux feuilles. T'as deux feuilles, bah c'est pas grave. Tiens, je t'en donne même 4 autres de plus. Tiens, c'est l'avalanche de feuilles, les petits copains et copines. Et moi, je me garde aussi des feuilles. Je vais essayer de dessiner un logo. Là, il faut lui donner 3 parce que j'en redonne à Lana. Bah oui, il faut de l'équité. Bah oui, Ellie, elle est pour l'égalité. Donc maintenant, nous allons tirer nos marqueurs. Alors, les petits copains et copines, Ellie a été chercher son cache-œil. Lana, tu fermeras les yeux. On a confiance et moi, je fermerai les yeux aussi. Pas de soucis. Alors, on regarde les couleurs que nous avons. Regardez, on a de tout. On a des verts différents. Je les ai testés. Ce sont des verts qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc, toutes les couleurs sont différentes. On a des jaunes différents, des violets, des roses, des bleus, des marrons, des noirs. Alors, c'est parti. On commence par Ellie. Est-ce que tu veux bien cacher tes yeux, ma puce? Ou alors, on commence par Lana, comme tu veux. Par Lana. Par Lana. Lana, cache tes yeux et tire-nous un marqueur. Alors, je tourne. Allez, vas-y ma puce, tu peux tirer. C'est plus à droite, ouais. Voilà. Je te tire. Tu regardes ton premier marqueur, stop. Ellie va en tirer un autre. Jaune, c'est pas mal. Alors Ellie, regarde pas, vas-y. Tu veux que je mélange? Alors je mélange. Je tourne, je mélange. Vas-y ma puce, tu peux tirer. Tu as pris un gris. C'est pas mal gris, hein. À moi. Alors je regarde pas. Regarde pas, je tourne et je tire. C'est quoi? Rose, ok. Moi, je vais faire la lettre d'Ellie. Il y a un rose à la première lettre. Ah, mais je savais pas. Bon, d'accord. Alors, à toi, Lana. Es-tu prête? Ferme les yeux et tire. Quelle couleur? Bleu, c'est joli. À toi, Ellie. Allez, vas-y, tire. Rose, bravo. Ouais, c'est pas exactement le même. Moi, c'est un rose clair, toi, c'est un vieux rose. Allez, moi, je tire mon troisième. Bon, mon deuxième marqueur. Allez, ferme les yeux, regarde pas. J'ai envie de tirer celui-là, c'est quoi? Vert, ok. Pas mal. Il y a un haut qui est vert. Il y a un haut qui est vert dans Ellie's Magic World. D'accord. Allez, Anna, vas-y, tire. Et tu nous tires un violet, pas mal. Ce sont de jolies couleurs. À toi, ma puce. On n'aura plus là, on pioche.
pêchera là-bas. D'accord. Alors, j'espère que tu vas pas tirer le noir et le marron parce que c'est pas des couleurs très très belles hein, pour faire un logo sympa. Ça va. Ouais, c'est vrai. Pour faire des contours, c'est pas mal. Bon allez, on y va. Ferme bien les yeux, ma puce. Vas-y. Jaune. Parfait. De très très belles couleurs. Allez, à moi. Allez. J'en garde pas. Là, je vais tirer celle-ci. C'est quoi? Rouge. Eh, c'est pas mal. On a de belles couleurs. Donc, on récapitule les petits copains et copines. Moi, j'ai orange, bleu et jaune. Moi, j'ai gris. Il n'y a pas une erreur dans ce que j'ai dit? Orange, bleu et jaune? Vous n'avez pas réagi. Il n'y a pas du tout d'orange. Il n'y a pas du tout de bleu. Il n'y a pas de jaune. Rouge, vert. Très bien. Et toi, Lana? Bleu, jaune, violet. Et toi, ma puce? Gris, jaune, rouge. Rose. Wow. Très bien. Et bien maintenant, les petits copains et petites copines, nous allons tirer, mais sciemment, hein, c'est pas du hasard, une couleur supplémentaire dans ces marqueurs-là. Alors vas-y. Non, tu peux regarder, ma puce. Tu peux regarder. Choisis celle que tu veux. Celle que tu veux. Tu veux rouge, tu veux? D'accord. Donc, il y a celui rouge. Si on a fermé les yeux, on a le droit. Ah oui, tu peux. Et toi, ma puce, laquelle tu veux? C'est une bonne couleur. Noir. Noir? Ouais. Très bien. Et moi, bah écoutez, j'hésite, j'ai pas beaucoup de bleu. J'hésite entre le bleu et le jaune. Ah, si je pouvais, je prendrais les deux en fait. Ah, jaune, bleu, ouais. Ah, ou orange. Ah, je sais pas, les petits copains et copines. Allez, jaune. Allez, jaune, c'est parti pour jaune. Donc voilà, les petits copains et copines, nous avons nos marqueurs, nos feuilles. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à dessiner. Laissons parler notre imagination. Allez, c'est parti. Go! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer la caméra comme ceci. On met pas un chronomètre? Non, on n'a pas de chronomètre, on fait ce qu'on veut. Et donc allez-y les puces, faites-moi un beau logo, une belle illustration. Fini, on regarde, on donne l'exemple ou celle-là. D'accord. Alors moi, je vais me placer là par là. Bon, ça fait un peu loin quand même pour dessiner. Ben, moi, ça sera la surprise. Voilà. Vous verrez petit à petit, je vous montrerai. Alors, je commence. Allez-y les filles, c'est parti. Lana, je vois sa tête, elle fait « Oh oh, c'est un peu bizarre. » T'as pas d'idée? C'est ça le plus dur, les petits copains et copines, c'est de trouver l'idée première. Moi j'ai pas d'idée non plus. Moi, j'ai pas trop d'idées, mais j'en ai une dans ma tête, mais j'ai perdu, alors qu'est-ce que je veux? Ah bah, vas-y. Donc, soit vous marquez Elise Magic World, soit vous faites un dessin, soit n'importe quoi, quelque chose qui correspond à notre chaîne. Alors, les petits copains et copines, vous savez qu'en ce moment, c'est le confinement. Donc, il faut trouver des, comment dirais-je, des occupations. Des passe-temps. Et le dessin... Quoi? Eh ben, ça veut dire qu'il faut passer le temps en fait. Pendant qu'on est confiné, qu'on peut pas sortir en fait, ben, à la maison il faut faire des choses. Et nous on a choisi de faire du dessin. Voilà. Donc les petits copains et copines, on va avancer petit à petit. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va faire des points réguliers pour vous montrer l'avancement des dessins de tout le monde. Allez, les petits copains et copines, on commence tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Bon, ça fait à peu près 5-10 minutes que nous dessinons chacun de notre côté. Lana, as-tu avancé? Non? Tu n'as pas avancé? Non, ça fait deux fois que j'en commence. Écoute, tu as le temps, tu as tout le temps que tu veux. Ouais. On est confinés jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Bah, prends des feuilles, Lana. Tiens, je vais t'en donner. Tiens, tu veux des feuilles? Tiens, des feuilles. Il y a de quoi faire. Oh là là, on n'est pas à court de feuilles. Mais là, si on en veut, si t'en as pas assez. Et toi, Ellie, est-ce que tu as un peu avancé? Oui. Tu as fini? Alors. Au bout de 5 minutes? Oui. Alors là, on a le papa avec un bébé dans son ventre. D'accord, un papa enceinte. Bah, oui, pourquoi parce pas? Que ça existe. Bah oui, c'est la modernité, ça. Écoutez, un voilà, papa on a enceinte. Un papa enceinte. Je... Et là, la maman enceinte. Et là, la maman enceinte. Alors, fais voir. Elle a deux bébés. Ah, elle en a deux. Regardez. On a trois bébés. D'accord, donc ça c'est la tête, ça c'est le ventre, et dedans il y a deux bébés avec les cœurs des bébés. Et tu sais pourquoi? Il y a même un soleil. Bébé, il y a un petit filet rouge. Non. Bébé, parce que c'est l'estomac. Ah, ça c'est l'estomac du bébé. D'accord, tu fais de l'anatomie. Il mange de l'herbe, bah, le bébé, ça va dans son corps, dans, oui. Dans sa coquille qui est son. Comment ça s'appelle? Sa maison. Et après, ça va dans le ventre. Et parce qu'il y a un tuyau. Et
Ça va dans le ventre et après ça mange le bébé. Après le bébé il mange la nourriture. Ah, tu me fais rire. Lana elle en peut plus là. Bah, je l'ai vu. Elle écoute, elle dit mais qu'est-ce qu'elle raconte. Mais écoute, ma puce c'est balèze. Hein. À 6 ans tu fais déjà de l'anatomie, c'est fort. Alors ça c'était deux premiers dessins. Ouais, je voulais faire du verre mais j'ai pas de verre pour faire la feuille. Et oui, c'est ça la difficulté de ce challenge, c'est que les petits cowboys copines, nous n'avons que 4 couleurs qui nous ont été imposées, enfin 3 imposées et une libre. Donc Lana, j'ai vu que tu étais reparti sur un nouveau projet. Ouais. Bon, on te laisse faire. Et moi, les petits cowboys copines, ben voilà, j'ai commencé ça. Voilà, pour le moment. Moi, je finis la dernière Élise, page. Magic World. Bon, ben, je continue. Hein. Allez, les petits cowboys copines, on continue. Élie, tu peux continuer, toi aussi, tu peux redessiner quelque chose. Et Lana, on te laisse finir. Allez, à tout de suite, les petits cowboys copines. Et c'est une nouvelle étape dans ce challenge, le 3,5 marqueur challenge que nous faisons tout de suite. Alors, je voudrais vous montrer tout de suite le dessin qu'Élie a terminé encore. Elle va à une allure, c'est Élie. Regardez, regardez des petits cœurs partout. C'est écrit Élie en jaune. Et on voit des petits cœurs de partout, des cœurs dans des cœurs et des cœurs dans des cœurs. Il y a plein de dessins. Il y a autre chose derrière? Oh, bah attends, mais elle a écrit Magic World à l'envers, les petits copains et petites copines. Mais comment t'as réussi ça? Non, mais c'est trop fort, regardez. Magic World. C'est à l'envers, mais je sais pas trop faire. Non, mais c'est trop fort, ça veut dire que par transparence, donc là on peut pas bien voir, mais si on colle ça par transparence, on pourra lire Magic World. Élie, Magic World, quoi. Non, mais c'est trop fort, Élie. J'ai oublié le S. Ah oui, de Élise. Bon, c'est pas grave, c'est déjà une belle prouesse. Hein. Moi, je m'appelle Élie, je m'appelle pas Élise. Oui, tout à fait. C'est en anglais qu'on met le S pour dire c'est le monde magique d'Élie. Ça, c'est la traduction. Et les petits copains et copines, c'est vrai qu'on vous a jamais expliqué ce que veut dire Élise Magic World. Ça veut dire le monde magique d'Élie. Voilà. Et le S apostrophe en anglais, ça veut dire appartient à Élie. Donc, c'est le monde magique qui appartient à Élie. Bon, c'était un petit peu de cours d'anglais, ça fait pas plus mal aussi. Moi, hein, c'est mon monde de réviser. C'est le monde. C'est vrai que pendant que cette période de confinement, il faut aussi faire un peu l'école. Oui, l'école à la maison. Donc là, on vient de faire un peu d'anglais. Moi, je vais le faire après parce que voilà. Oui, on le fera après. C'est vrai qu'on a des devoirs. Lana, tu les as fait, toi, tes devoirs. Hein. Ouais. Voilà. Je les ai pas faits, je les ai déjà faits, mais ils m'ont t'en as encore. Eh oui, t'en as encore. Oh non, ça me dirait. Alors, Lana, est-ce que tu veux me montrer où tu en es? C'est très beau, une belle calligraphie, regardez les petits copains de copines, Élie avec un éclair, non c'est un S en fait, un S éclair, c'est un S éclair ma puce, c'est ça? Voilà. Élie, tonnerre éclair, world. Voilà, donc regardez, elle est en train de repasser ses lettres. Sinon c'est un signe. C'est une belle calligraphie. Un signe comme ça, c'est mon écriture. C'est beau, tiens ma puce. Et alors je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait moi. Alors moi c'est pas non plus extraordinaire. Hein. T'aimes bien toi? Bon voilà, attention, roulement de tambour, voilà. Donc c'est un cœur avec dedans les lettres EMW pour Élise Magic World. Là on peut trouver un sparadrap parce qu'Élie se fait souvent mal. Là on a des bulles parce qu'on aime bien Studio Bubble Tea. Et puis là on a une étoile. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, tu t'es fait mal, regardez. Regardez là-bas en bas, je vais essayer de vous montrer. Ah, fais voir ma puce ton pied. Montre-moi, regardez, je sais pas si vous voyez, mais là, on a une petite croûte, là, regardez. Donc, Élie s'est fait mal. Avant, j'avais mal de l'eau, j'avais mal quand je mettais dans l'eau. C'est vrai que quand elle prenait le bain, Élie, ça lui faisait mal, mais maintenant, c'est guéri, on peut le dire. Oui. Bon, les petits copains et copines, on va continuer. Élie a une cadence de folie, un rythme de fou. Elle les enchaîne, les dessins. Elle en est déjà à son 4e, regardez. Tandis que Lana, on est aussi à son 4e, mais en fait, les premiers, c'était des brouillons. C'est des ratés. Et moi, j'en suis qu'à mon premier. Mais je vous avoue que je galère. Ouais, j'ai bien. Bon, les petits copains et copines, on continue. Fini. Peut-être que la prochaine fois, ce sera la dernière étape. En fait, c'est un bateau de croisière. C'est un bateau en fait, de croisière, là, il y a ça. Il y a les bombes pour envoyer les autres, pour les méchants qui veulent voler le trésor. D'accord. Et j'ai pas trop fait le trésor, mais je vais le faire après. Donc c'est plus un bateau de pirate en fait. Hein. Ouais. Regardez les petits copains et copines. Donc ça, c'est un bateau. Voilà, ici il y a la voile. Voile avec des cœurs quand même. C'est des pirates gentils, hein. C'est des pirates qui ont des cœurs, donc ça va quoi. Leur drapeau, c'est quand même sympa. Oui ma puce. Tirez sur papa les cœurs. Ah ils vont me tirer dessus. Ah mais ils me tirent des cœurs, mais allez-y, tirez-moi des cœurs, j'adore. Bon, leur pavillon est cool, ça va. Les cœurs c'est de l'amour. Oh, bah oui, c'est de l'amour les cœurs. On vous envoie des cœurs les petits copains et copines. Bon, on y va? On continue? Je vais faire le coffre. Allez, on continue.
Et nous revoici, les petits copains et copines, pour l'ultime point de ce challenge 3,5 marqueurs. T'as fini, toi? Ouais, ça fait un petit moment qu'elle a fini, Ellie. Elle trépigne d'impatience. Elle a dit, j'ai fini. J'ai ajouté un petit truc à mon bateau, j'ai ajouté le coffre. Un coffre au trésor? Oh, il y a un coffre au trésor dans ce bateau pirate, les petits copains et copines. Je parce que je sais pas faire les portes. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu as fait un autre dessin? Oui. Derrière? Derrière, là, on a la maman d'Mbappé. La maman d'Mbappé? Oui, il a une maman. Là, il y a le papa. Oui. Là, on a le bébé. Oui. Là, on a la petite fille, mais elle ne devait pas être née. D'accord. On la met quand même parce que sinon, elle ne le verra pas. Et voilà. Fais voir ma puce. Et là, il y a le bébé qui touche à celui-là. C'était à la maman. Elle a dépassé les 2 500 des abonnés. Et là, le 2 500, il tombe dans une plaque qui fait très très mal. D'accord, mais en plus, c'est une youtubeuse. Oh, donc, c'est Mbappé qui est avec sa femme, qui a eu sa maman. Excusez-moi, oui. Donc, c'est Mbappé avec sa maman qui est aussi avec une petite fille. Non, elle n'était pas née, donc elle est juste là. Elle a quand même dépassé 1 million d'abonnés. 2,5 millions d'abonnés, elle a dépassé. Et les 2,5 millions d'abonnés sont tombés dans une plaque. Dans une plaque qui fait très mal. Et en fait, elle est tombée là. Et quand, en fait, ils sont ouverts comme ça, ils sont ouverts normalement. D'accord. Et après, ils tombent dans c'est un piège. C'est un schéma. Pour faire casser les objets qu'on n'aime pas. Mais quelle imagination, ma puce. Est-ce que tu peux me montrer ce dessin que je montre à nos petits copains de copines? Alors, regardez. Là, on a le bébé Mbappé, en fait. Fais voir ma puce. Alors. Bébé Mbappé. Donc, ici, vous avez le bébé Mbappé, oui. Donc le célèbre footballeur. Ici, vous avez deux grandes personnes, la maman. La maman et le papa. Et le papa. Là, on a la petite fille, mais elle ne devait pas être née. Donc, elle n'est pas née, vous ne la voyez pas. Là, si, on peut la voir, mais... On l'imagine. Oui, on imagine qu'on ne la voit pas. D'accord. Alors là, on a le million d'abonnés, 500 000, qui est tombé ici, ça s'ouvre, et il est tombé dans un piège qui casse tous les objets qu'on n'aime pas. Eh ben, tu sais quoi, ma puce? Dans cette feuille, il y a toute une histoire. C'est incroyable. Bravo. En fait, alors, je vais te raconter l'histoire. Ah, en fait, oh, d'accord. Il y avait un bateau qui a rencontré une île qui allait se balader. Dedans, on a quatre qui sont garés dedans, et après il y avait la famille d'Mbappé dedans. Eh ben dis donc, sacrée histoire. Bon, très bien. À toi, Lana, montre-nous ton logo Elise Magic World. Tadam! Wow. Simple, efficace. Elise Magic World, c'est écrit dans une écriture très très fine, nickel, précis. Et là, c'est quoi ça? Des cœurs stylisés? Oh, c'est magnifique. Alors, il y a Ellie qui veut dire quelque chose, oui? Tu veux faire pipi? Bah, vas-y, ma puce, je t'en prie. Je suis inspirée des écritures sur Instagram. Ah oui, effectivement. Ah oui, ça fait néon, tu as raison. Oh, wow, c'est super beau. Bon, moi j'aime beaucoup. Hein. Non, c'est simple et efficace comme tu dis, c'est précis, c'est net. C'est très design. Bravo Lana, bravo. Et alors moi c'est un peu du grand n'importe quoi, les petites copines. Voilà mon logo. Donc moi j'ai fait des petites bulles qui s'envolent. Je vous ai dit ici un sparadrap. Là j'ai quoi? Parce qu'Elise fait tout le temps mal. Voilà. Et là, là je sais pas pourquoi j'ai craqué, j'ai fait des ondes wifi. Parce que peut-être qu'il faut du wifi pour aller sur YouTube, je sais pas. Là j'ai fait des dés parce qu'on aime bien jouer aux jeux de société. Attends, j'ai fait des dés, c'est des dés, hein, pas le prénom des dés. Hein. Et qui c'est des dés? Il est où ce dés? Dédé! J'ai pas fait des dés. La chanson au dédé. Dédé, au dédé. Je la connais. Ici j'ai fait des étoiles parce que vous êtes deux petites stars quand même. Ben oui, vous êtes des stars, vous êtes les stars de la chaîne. Et puis là, j'ai fait des oiseaux avec le soleil, parce que sur Elise Magic World, il fait toujours beau. C'est des oiseaux stylisés. Voilà. Ça y est, ma puce, t'as fait pipi? Ouais. Et là, ben voilà, j'ai fait un cœur, parce qu'on vous adore. Tu as osé faire le soleil en coin. Il n'y a pas le soleil en coin, il faut pas? Ma prof, elle me tuait quand je faisais ça. C'est interdit? Ah, c'est interdit. Mais on fait ce qu'on veut. Non. Mais si, on fait ce qu'on veut. Enfin, mais oh, c'est nos dessins, c'est nos œuvres, on fait ce qu'on veut. Attends. Sinon, je te mets le dessin ici, le petit bah peu. Tiens, vas-y, t'as qu'à l'améliorer ce dessin, t'as raison. Eh les petits copains, les petites copines, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a une société qui nous a contactés récemment pour nous proposer de réaliser un véritable logo pour la chaîne Elise Magic World. Oui,
Sauf que vous savez quoi? Ils en ont pas fait un logo. Non, ils en ont fait deux. Et vous savez quoi? On n'arrive pas à se décider. On sait pas lequel est le plus beau, on les adore tous les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les afficher ici et ici. Les voilà, regardez. Ils sont pas magnifiques ces logos? Franchement, j'adore. J'arrive pas à avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, tellement qu'ils sont beaux. Alors du coup, on a décidé que c'est vous qui alliez nous dire lequel on allait conserver. Pour cela, il va simplement suffire pour vous de vous rendre sur notre compte Instagram et de voter pour l'un ou l'autre des logos. Et celui qui aura obtenu le plus de suffrages, on va dire, eh ben, on le conservera et on l'affichera sur notre chaîne. Alors, je peux vous dire que la société Solutions Smart ne fait pas que des logos, non. Elle crée aussi des sites internet, des cartes de visite, des flyers, des affiches, des banderoles, bref, tout un tas de choses. Alors, ce que je vais faire, parce qu'ils sont très talentueux, comme vous pouvez le voir, c'est que je vais mettre en barre d'infos le site internet de cette société, ainsi qu'un code promo qui vous donnera accès à 10% de réduction si vous faites une commande sur ce site. Voilà. Donc les petits Covid copines, on vous fait gros bisous, likez, partagez, commentez, soyez sages, abonnez-vous, dessinez, laissez parler votre imagination pendant cette période de confinement et même après, hein, il n'y a pas de raison, c'est bien de dessiner. Je vois que Lana est en train de badigeonner, je ne sais pas ce qu'elle fait, et lui aussi. Ah ouais, c'est pas mal. C'est quoi ça? C'est un gribouillis? C'est une tornade. Ah, c'est une tornade bleue. Allez les petits Covid copines, on vous fait gros bisous et on se laisse sur, ben, sur le masque dont on ne s'est pas servi. Ah, le drama que t'as, le drama que t'as, le drama que t'as.